Bonjour et bienvenue sur le deuxième module, formation à la propriété intellectuelle. Et maintenant, nous allons voir comment protéger les inventions, les brevets, les marques, le droit d'auteur, les modèles d'utilité, etc. Et qu'est-ce qu'un brevet? Il s'agit de titres juridiques qui confèrent à son titulaire le droit exclusif d'empêcher les tiers de fabriquer, d'utiliser ou d'offrir à la vente, de vendre ou d'importer un produit qui enfreint son brevet sans son autorisation dans les pays pour lesquels le brevet a été délivré pour une durée limitée, par exemple jusqu'à 20 ans. Et qu'est-ce qui peut être breveté exactement? Alors, les substances chimiques, les produits pharmaceutiques, les processus, les méthodes d'utilisation, produits, dispositifs, systèmes, etc. Et pour qu'une invention soit brevetée, elle doit généralement être nouveau dans le mode, inventif, susceptible d'application industrielle. Qu'est-ce qu'une marque? Une marque est un signe susceptible de présentation graphique qui distingue les produits et services d'une entreprise de ceux d'une autre. Il existe de nombreux types de marques, par exemple verbales, figuratives, de couleurs, de formes, etc. Qu'est-ce qu'un droit d'auteur? Le droit d'auteur, c'est un type de propriété intellectuelle qui protège les œuvres originales dès qu'un auteur fixe l'œuvre dans une forme d'expression tangible. En droit d'auteur, il existe un grand nombre de types d'œuvres différents. Qu'est-ce qu'un modèle d'utilité? Un modèle d'utilité confère à son titulaire le droit exclusif d'empêcher les tiers d'exploiter une invention sans autorisation dans le pays où le modèle d'être utilité a été enregistré pendant une courte période, 3 à 10 ans, et le titulaire doit divulguer l'invention au public. Qu'est-ce qu'un dessin ou modèle? Un dessin ou modèle, c'est l'aspect extérieur de l'ensemble ou des parties d'un produit résultant de ses caractéristiques. Un produit est un article industriel ou artisanal. Qu'est-ce qu'un secret commercial? Informations qui ne sont pas généralement connues ou faciles à découvrir et qui ont une valeur professionnelle, commerciale ou économique, parce qu'elles ne sont pas généralement connues et qu'elles font l'objet d'efforts raisonnables pour les garder secrètes. Il y a une durée de vie limitée, à condition que les informations ne soient pas rendues publiques. Et si on voit les routes de protection européennes et internationales?